tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vous retrouve du coup aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur le thème « J'ai lu ». Je vais vous parler d'une de mes lectures que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimée. Donc, c'est parti, on y va. Alors, le livre du coup que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est Hadès et Perséphone, du coup, de chez Hugo New Romance. C'est un livre qui me faisait énormément envie. J'étais très très impatiente de le lire, mais déjà tout simplement parce que j'avais craqué pour la couverture. Et puis, les histoires avec tout ce qui est dieu, déesse, mythologie grecque, enfin, moi personnellement, j'adhère énormément et j'avais très très hâte de le découvrir. Alors, pour la petite histoire, j'ai lu beaucoup, beaucoup d'avis mitigés sur ce livre. Il y en a qui ont adhéré, d'autres qui n'ont pas adhéré. Donc, faites-vous votre propre opinion. Moi, personnellement, j'ai kiffé. Il y a beaucoup de références mythologiques dans ce livre, mais sachez que ça se passe pas au niveau de l'enfer et tout ça. Ça se passe de nos jours, donc du coup, on va suivre Perséphone, qui est la déesse du printemps, et qui est sur Terre tout simplement. Elle est en train de faire des études pour devenir journaliste. Et puis, elle est là et elle se cache au niveau des humains. C'est-à-dire qu'elle a un charme sur elle, donc personne ne voit sa vraie nature. Puisque la déesse, en fait, quand on la voit en vrai, elle a des énormes cornes. Et voilà, fait. Juste pour la petite parenthèse. Et donc du coup, elle vit en colocation avec Lexi, qui est l'une de ses plus proches amies, avec qui elle est en confiance. Et du coup, Lexi, en fait, c'est un peu l'opposé de Perséphone, puisque du coup, elle est... L'image que je me fais d'elle, en fait, c'est qu'on dirait qu'elle est un petit peu gothique, qu'elle est un peu dans ces délires-là, et puis c'est une grosse fêtarde, alors que Perséphone, c'est tout l'opposé. Et puis, ben, Lexi lui dit, ben voilà, j'ai eu des places pour rentrer dans un club très huppé, on va y aller toutes les deux. Donc, Perséphone n'est pas très chaude, surtout que ben, le club en question, c'est un club qui appartient à Hadès, donc le dieu des enfers. Et puis bon, elle craque et puis elle décide d'y aller. Au niveau de ce club, ben, du coup, Perséphone se retrouve en train de jouer aux cartes avec un homme. Et elle ne sait pas du tout qu'en fait, c'est le dieu des enfers. Et elle a, en quelque sorte, sans le vouloir, passé un pacte avec lui. Donc, j'ai beaucoup aimé le personnage de Perséphone parce que du coup, elle a un côté très naïf. Et sa mère, hein, du coup, qui est une déesse, ben, elle fait tout pour la protéger. Et l'une de ses règles, quand elle est allée sur Terre, c'était justement d'éviter tous les lieux où il y a Hadès. Et surtout, d'éviter... Hadès, c'était non négociable, c'était niette. Mais voilà, fin, comment dirais-je, quand on a des enfants et que ben, on leur interdit des choses, c'est vrai que c'est tout, ils ont toujours tendance à faire l'inverse. Donc, elle se retrouve dans cette fameuse boîte en train de jouer aux cartes avec Hadès. Et puis, ben, ce qui devait arriver arriva, elle se retrouve en fait à pactiser avec le diable, c'est-à-dire qu'elle a 6 mois pour créer de la vie aux enfers. Du coup, Hadès lui donne plein de privilèges, c'est-à-dire qu'elle a accès à son bar, elle a accès aux enfers, elle peut aller et venir à sa guise. Et Perséphone va se servir en fait de ce pouvoir-là, parce que du coup, elle va essayer de gruger le diable, mais malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Perséphone, elle a un gros problème, c'est qu'elle n'arrive pas à créer de la vie, puisque du coup, ses pouvoirs sont, on va dire, endormis. Ouais, je vais vous dire ça comme ça. En fait, tout ce qu'elle touche, ben, tout meurt. Comme quoi, elle est peut-être faite pour être avec Hadès. Enfin, je ne vais pas vous spoiler toute l'histoire, parce que c'est pas mon but non plus. Sachez juste que le personnage d'Hadès, j'ai adoré, adoré, adoré. Il est très mystérieux, il est très viril, il est très énigmatique, hein. Il a un côté chez lui que j'ai beaucoup aimé découvrir, puisque du coup on se dit ben, le roi des enfers, donc ça doit être une sacrée ordure. Je vous assure, il est aussi, mais il a un côté touchant que j'ai beaucoup aimé découvrir dans le livre. Et du coup, ben, malheureusement, le fait de passer du temps avec Perséphone, ben, sans le vouloir autant l'autre, ben, il s'attache l'un à l'autre. Sauf que ben, du coup, la mère de Perséphone ne voit pas ça de cet œil-là. Et Perséphone va aussi se rendre compte ben, que
que peut-être ben, le diable l'a menti aussi sur quelque chose et elle va se poser énormément de questions. C'est très fluide à lire, c'est très addictif. Je suis vraiment, vraiment impatiente de découvrir le tome 2. Sachez qu'à la fin du livre, vous avez aussi des chapitres bonus que j'ai beaucoup aimés. Et j'adore parce que du coup, au niveau des chapitres, je vais vous montrer, il y a des petites arabesques baroques comme ça. Donc j'adore, j'adore. C'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup, beaucoup aimé découvrir. Et je ne peux que vous le conseiller. Donc vous allez voir que Perséphone, c'est une personne qui va se révéler. Que le diable, ben, peut-être qu'il n'est pas si méchant que ça et qu'il a un cœur au final. Et on va découvrir les enfers sous un autre angle, c'est-à-dire que ben, d'habitude on a toujours tendance à découvrir l'enfer comme quelque chose de pas beau, de sombre, mais au final peut-être c'est pas ça du tout et que ben, Hadès, il a beau torturer les âmes qui le méritent, il a aussi un côté où il tient à ses âmes parce que ben voilà. Et à côté de ça, ben, du coup il y a plein de choses qui se passent avec d'autres dieux, avec d'autres personnes. Donc je ne vais pas tout vous dévoiler. Il faut savoir aussi que le lien entre Perséphone et Hadès, tout au long du livre, est très prenant, parce que du coup, on voit bien qu'il y a de la tension quand ils sont ensemble. On voit bien qu'il y a quelque chose, mais l'un autant que l'autre ne veulent pas du tout l'admettre. Donc ça met un piment à l'histoire. Et vous avez aussi des passages dans le livre où on s'y attend pas du tout, puisque, on va dire, c'est assez soft. Et puis on a des passages très très érotiques, très très érotiques pardon, et très très hot qui mettent un peu de piment à cette histoire. Il y a vraiment vraiment tous les ingrédients pour kiffer cette histoire. Enfin, moi c'est ce que je pense. Après je peux comprendre qu'il y en a qui n'ont pas aimé. De toute façon malheureusement les livres ne peuvent pas plaire à tout le monde et tout le monde ne peut pas adhérer à la même histoire. Pour vous laisser une part de mystère et surtout foncez le lire. C'est une vraie merveille. Je ne peux que vous le conseiller. Bisous, bisous. On se retrouve bientôt.